Cette fois, tu n'as pas de contexte, c'est pas compliqué, c'est juste une petite blague. Tu l'oublies pas. Ça c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette minute jeune. Nous sommes ici pour vous raconter une blague. Ah, je vous jure, la blague elle est tellement drôle, purée. Franchement, moi, je la trouve pas très drôle, moi. Attends, mais c'est quoi qui est pas très drôle, là? On fait quoi? On raconte une histoire? Mince, c'est quoi la blague, déjà? Bon, Justine, là, on raconte une blague. Et Fleur, tu devrais commencer. Fleur, c'est à toi, là. Alors, c'est Donald Trump. Angela Merkel. Le pape. Avec une écolière qui sont dans un avion. Mais le bateau, en fait, il va se crasher. Hein? Un bateau qui se crache? Oh, mince, la poulette. Je peux la refaire? Bon, tout le monde, on se reconcentre. Jules, ce n'est pas un bateau, mais un avion, déjà. Ah, mais je savais pourtant, mais je me disais bien, ça, c'est pas comme les autres fois quand je les avais répétés. Donc, dans cet avion, il n'y a que 3 parachutes. Donald Trump s'équipe d'un parachute. Je suis l'homme le plus intelligent. Et le monde a besoin de moi pour trouver un remède au coronavirus. Non mais c'est pas possible, c'est déjà Trump, il est pas intelligent et c'est les scientifiques qui cherchent un remède. Non mais Sully, en fait c'est le but de la blague. Genre c'est pour ça qu'elle est drôle, tu vois. Le corona quoi? Bon Justine, tu iras faire un tour sur le net, d'accord? Donald Trump saute et ensuite le pape prend un parachute. Je dois prendre le deuxième parachute car les catholiques ont besoin de moi pour se recueillir dans cette période de pandémie. Puis il saute. Du coup, il reste un seul parapluie. Toi, tu le fais exprès ou quoi? Bref, après Angela Merkel, elle s'adresse à l'écolière. Si j'ai bien compris, elle lui dit « Prends le dernier parachute, j'ai déjà vécu ma vie. » Et là, ah vous êtes pas prêts, ah vous êtes pas... Et donc, la petite lui répond, non mais t'inquiète pas, il reste encore 2 parachutes. L'homme le plus intelligent a sauté avec mon cartable. C'est nul, je me casse. J'ai pas compris.